Micheli Garin, Maurice Timichel, Sakeli Marguise, Pouvoir et Dienfich, Salmon Pierre, Daniel Stier, Fiche Evelyne, Roise Dérès, Ayelovi, Gana Henri, Anthony Marie-Ange, Ambrogio Jean-Michel, Maggie Edith, L'Anglais Marinette, Léon Ba, Patrick, Pouvoir et Michel Bertrand, Salou Abder, Delay Stéphane, Pilar Elisabeth, Galant Portier Marie-Béatrice, Honesty Dominique, Mercurio Frédéric, Pouvoir Didier Daniel, Profanie Brigitte, Giraudy, Ricardie Evelyne, Chalvin Eric, Pouvoir Evelyne Ricardie, Chinka Gisèle Excusé, Crépin Robert, présent. Mirandon Gilbert, présent. Crépin Charline Pouvoir à Monsieur Crépin, Pêche Jean-Loup Excusé, Falcou Jean-Noël, présent. Lancé à Catherine. Alors avant de commencer l'ordre du jour, comme vous le savez, il y a des manifestations un peu partout en France contre l'antisémitisme. Je vous demande une minute de silence pour nous associer à la lutte contre l'antisémitisme et manifester notre soutien à toutes les victimes de toutes les formes de racisme. Nous allons passer à l'ordre du jour. Procès verbal du Conseil municipal du 10 décembre 2018. Les questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui, tout à fait, non, je vous montrerai le moment du vote, je ne sais pas, parce que si vous dans les décisions, il y a trois emprunts, qui, deux emprunts de mémoire, 1,2 million et deux qui vont évidemment arriver à 2 millions d'euros. Or, dans le débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas la même somme. Non, c'est des emprunts qui sont en réserve, vous savez qu'on les mobilise si besoin. Par contre, on est quand même obligé de justifier. Comment ? Vous avez mis une décision ? Non, c'est, si vous voulez, vous avez un emprunt qui est une forme de... Oui, alors l'emprunt qui n'a pas été mobilisé est à hauteur de 600 000 euros, si vous avez bien vérifié. Oui. Et il n'a pas été mobilisé parce qu'on n'en a pas eu besoin. Et donc il est gardé en réserve au cas où, si on a un problème, en cours d'année, on ne sait jamais, on a jusqu'au mois de décembre pour le mobiliser si besoin. Si besoin, je répète. D'après les orientations budgétaires que vous proposez, nécessairement, vous en avez besoin. Voilà, si besoin, il sera mobilisé. Parce que tout ce qu'on va présenter, ce sont des hypothèses. Pour l'instant, des hypothèses de travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir, ça s'arrête là. C'est comme lorsqu'un budget préventif porte un emprunt de 2,9 millions ou 3 millions et qu'il ne sera pas mobilisé comme en 2017. Nous n'avons pas emprunté pour autant, on importe quand même. Il y a des opportunités qui sont saisies.
par nos finances pour avoir des taux très bas. Voilà, merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Madame le maire, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais vous poser une question avant de commencer le débat d'orientation budgétaire. Je voudrais tout simplement savoir si je fais toujours partie de votre équipe. Je ne sais pas, monsieur. Non, ce n'est pas monsieur Moulassi, c'est monsieur. Monsieur Bertrand, oui, vous avez été remplacé par monsieur Moulassi, donc je travaille avec monsieur Moulassi. Donc c'est vrai que son nom revient très souvent, puisque je suis souvent avec lui. Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Mais madame le maire, je l'ai déjà dit. Lorsque j'étais intervenu lors de l'émission, monsieur Falcou, vous avez posé la question. Oui, oui, c'est monsieur Falcou qui a parlé pour vous. Non, il n'a pas parlé pour moi. Il a posé la question, si je peux m'exprimer, merci. C'est de faire respecter la parole dans cet hémicycle. Monsieur Falco avait posé la question et j'avais répondu très clairement que j'étais dans la majorité, que je resterai dans la majorité, parce que j'étais fidèle à des engagements que j'avais pris avec l'équipe que je ne voulais pas diviser et avec vous sur le plan politique. Donc mon positionnement, il a toujours été clair. Maintenant, je vous repose la question, est-ce que vous, vous considérez ce soir que je fais partie de votre équipe? Je n'ai pas considéré, monsieur, le contact, je prends acte de ce que vous dites. Mais ce n'est pas un contact. Est-ce non, que monsieur, je fais partie de votre équipe? Ah non, on prend 5 minutes. On prend 5 minutes. Monsieur, vous n'allez pas nous refaire le show. Non, il n'y a pas de show. Ça suffit, monsieur, on la page est terminée, on arrête. Répondez aux questions. Ayez un courage, je vous dis toujours qu'il faut avoir du courage politique. Alors, ayez le courage politique. Est-ce que je fais partie? J'ai besoin de savoir, madame. Je n'en sais rien, monsieur Bertrand. Je fais partie de votre équipe. Je ne me pose pas la question, je travaille. Ça me gêne un petit peu parce que, par exemple, vous faites une réunion municipale avec votre majorité et je n'y suis pas convié. Oui, ben voilà. Non, mais c'est pas tout seul. Les mous, ça fait des années. Oui, donc grâce à toi, Michel, tu vois, les SMS à des personnes particulières et pas à d'autres, ça aussi. Moi, j'ai besoin de savoir, madame le maire, et je crois que la population a besoin de savoir où vous situez votre ancien premier adjoint. Mais bien sûr, vous avez besoin de répondre. Non, je vous pose cette question, répondez-y. Vous ne répondez pas, ça veut dire quoi ? Je passe la parole à monsieur Molesti. Moi, je remarque vite, mais j'ai un message à faire passer, madame le maire. On ne peut pas rester comme ça, indéfiniment, dans une espèce de vague. Vous divisez, madame le maire, vous ne rassemblez pas. Et je crois que le premier rôle d'un maire, c'est de rassembler. Non, monsieur. Oui, madame le maire, c'est de rassembler, vous ne rassemblez pas, arrêtez, vous divisez monsieur, votre équipe. Arrêtez, c'est vous qui avez divisé. Parce que je fais partie de votre équipe et vous m'enlevez votre équipe. Vous avez quitté la mairie, vous avez déménagé, vous ne travaillez plus sans m'en avertir. J'ai simplement démissionné de mon poste de premier adjoint. Vous avez retiré vos indemnités d'entacte. Vous avez fait un show piloté par monsieur Falcou. Ça a été très net. Laissez M. Falcou rouler. Non, je vous parle à vous. Vous avez eu la référence de M. Falcou. Et je suis. Mais oui, parce qu'il a posé la question. Il suffit, M. Bertrand, laissez-nous travailler. Je veux dénoncer, Mme le maire. Laissez-moi m'exprimer. Non, Mme Lanza, c'est bien. Ça fait longtemps que vous avez rejoint l'opposition, alors s'il vous plaît. Mais soyez clair, vous n'êtes pas clair. Je suis très clair, monsieur Bertrand, je suis. Monsieur Bertrand, je suis très clair. Vous n'écoutez pas. Je suis très clair, monsieur Bertrand. Vous avez trahi ma confiance. C'est vous qui m'avez trahi. En quittant le territoire, c'est vous qui m'avez trahi. En me laissant avec une difficulté énorme. Vous m'avez laissé domicilié sur la commune. Je pense pas que ce soit l'objet du débat ce soir. C'est pas ce que je fais aujourd'hui. Voilà, monsieur Bertrand a besoin de faire le show. Je ne fais pas le show. Madame le maire, il y a une délibération qui est passée au conseil communautaire. Oui, c'est un scandale. Non, vous avez été à l'initiative, évidemment, c'est pas le président. C'est vous qui avez été à l'initiative. Vous avez écrit en disant, monsieur Bertrand, premier adjoint a démissionné de son poste. Très bien. De son poste. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la commission? Qu'est-ce que ça a à voir avec la CASA? Je reste conseiller communautaire. J'ai été élu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez enlevé. Vous avez osé m'enlever, demander une modification des personnes qui sont dans les commissions. Oui. Et actuellement, je suis conseiller communautaire et je ne siège plus. Oui, ni à la politique de la ville, ni
Mais comment ça s'appelle? Mais où est le problème? Vous étiez à la commission des finances, monsieur, vous n'êtes plus aux finances. Et alors? Je défends toujours les intérêts de la commune. Non, mais c'est une plaisanterie. Mais demandez à ceux qui y sont, demandez à monsieur Morin. Oui, c'est ça. Si. Mais demandez à monsieur Morin si je ne suis pas présent. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. J'ai écrit à monsieur Morin, je lui ai envoyé un mail pour savoir si je pouvais continuer à participer aux commissions. Et il m'a répondu très élégamment qu'il allait se renseigner par rapport à un règlement intérieur ou pas. Parce que vous m'avez exclu encore une fois. Ça fait deux fois que vous m'empêchez de travailler. Vous m'avez empêché de travailler en tant que premier adjoint, en prenant les décisions qui concernaient les finances à ma place. Et cette fois-ci, vous m'empêchez de travailler en tant que conseiller communautaire. Je tenais simplement à signaler vos méthodes, madame le maire. Bon, c'est bon, je pense que... Moi, je vais dire vos méthodes, monsieur Bertrand. Quand je vous ai retiré les indemnités... Vous parlez parce que d'argent. Vous étiez... Non, c'est vous qui avez parlé d'argent. Ils sont tous là pour témoigner. Vous avez quatre indemnités. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, monsieur Bertrand. Je vous ai retiré les indemnités en disant que vous ne pouviez plus gérer le service des finances. Et vous m'avez dit, au nom de notre amitié, tu ne peux pas me faire ça. Moi, je suis désolée. Il n'y a pas d'arrangement entre amis. Je suis comptable du finance publique. Ce qui est inadmissible, à la suite de ça, vous avez été dans mon bureau, monsieur. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Oui, quand c'était fini. Oui, bien sûr. Et vous m'avez dit, vous ne pouvez pas me faire ça au nom de notre amitié. Ça s'appelle des arrangements entre amis. Je ne donne pas la dent, monsieur. Monsieur Bertrand, s'il vous plaît. À la suite de ça, c'est les conseillers municipaux qui vous ont demandé de démissionner. Pas moi. J'ai toujours dit que vous pouviez rester premier adjoint sans poser zéro problème. C'est pas vrai. Sauf les indemnités pour un travail qui n'était pas fait, ce n'était pas, possible. Vous avez demandé à ce que je On arrête, les gens sont lassés. Je dénonce simplement, c'est pas ma personne. Méthode, le manque de respect, vous méprisez. Oui, alors, et partir sans m'avertir, c'est quoi ça? Mais vous le saviez, madame le maire. Vous m'avez dit dans votre bureau. Je savais que vous aviez une villa à Valbonne. Ah, bah, c'est tout. J'ai gardé le papier de mon assistante. Le jour de votre départ, monsieur Bertrand vous annonce qu'il déménage sous Valbonne. Et vous le saviez deux mois avant, madame le maire. Et vous déménagez dans une villa? Ah ben maintenant le mensonge. J'ai un logement de fonction, Je dénonce simplement ces méthodes qui sont venues. Alors je tiens juste à terminer en plaisant. Puisque je ne suis pas avec l'argent public. Il n'y a pas d'arrangement entre amis. La preuve c'est que je suis là et j'ai aucune indemnité. Aucune. Et je suis toujours là. Et je resterai jusqu'au bout. Vous pouvez nous laisser travailler. Je voulais simplement vous dire que je vous dirai au prochain conseil comment j'ai l'intention de me positionner. Parce que je ne peux pas effectivement rester. J'annoncerai publiquement ici même mon positionnement par rapport à vous et pas par rapport à l'équipe avec qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de relations. Oui, c'est pour ça qu'ils vous ont appelé pour démissionner. Si vous permettez, en tant qu'une opposition, une synergie par rapport à la position de M. Bertrand, et de découvrir que vous avez des méthodes peu orthodoxes vis-à-vis de votre majorité, vous croyez ça réservé aux élus d'opposition, Vous avez les élus d'opposition de la majorité sur les réseaux d'opposition, en général, ça a du sens. On a des copier-coller, on ne voulait pas ça. Je considère que M. Bertrand, quand il était à la communauté d'agglomération, a toujours travaillé avec assiduité, permanence. Il était avec David, une ténacité sur les dossiers. Mais je ne comprends pas qu'il ait été. Je vois que vous avez préparé votre intervention. Donc c'est comme d'habitude. Voilà, avec M. Falcou, M. Giraud, M. Bertrand. Merci. Donc je crois que c'est très clair pour tout le monde. Mais c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour nous. Mais tant mieux, mais c'est bien. Écoutez, ça va clarifier quelque chose que tout le monde connaît ici. Voilà, c'est très bien. De désigner une remplaçante, sera-t-elle en mesure du même intérêt, de la même persévérance sur les questions financières et budgétaires qui nécessitent minimum de connaissances réglementaires? Mais c'est une plaisanterie, M. Giraud. Vous avez décidé Mme Marie-Claude Poitry pour siéger aux finances, à la commission aux finances de la CASA. C'est une blague. C'est pas mieux parce que dans la continuité, vous avez encore fait la chose, ça suffit. Dans la continuité de la vision.
mission. Vous pouvez respecter un peu le travail des. Vous pouvez respecter le travail des services. Vous considérez que c'était la place de monsieur pour investir à la commission. C'est ça, voilà. Oui, ben, il est un peu chargé, monsieur. Oui. Alors, je ne sais pas, parce que monsieur Giraud, je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur Molesti n'est pas élu communautaire, donc c'est quand même un blocage majeur. Oui, c'est ça. On ne libère pas quelqu'un qui n'est pas élu à la communauté d'Aglo. Bien sûr, vous faire élire. Ben, c'est ça, on va tout refaire. Non, mais c'est une plaisanterie. Non. Il y a des règles, il y a une loi. Il y a une loi, il y a une loi. Qui est très sensible. Moi, si je comprends bien, c'est ces deux personnes qui ont le monopole en fin de compte au conseil municipal. C'est deux personnes qui ont le monopole du poste. Deux personnes qui ont le monopole de Gagnard. Ils sont élus communautaires, madame. D'accord, mais bon, je pense qu'il y a d'autres personnes. On en est s'il vous plaît, j'ai juste. Madame Pilar madame a été élue aussi au conseil d'administration du collège. Non, il y en a plusieurs que. Non, madame Pilar a eu. On vous a pas informé, madame Lanza. Il y a eu des modifications. Madame Pilar a été élue au conseil d'administration parce qu'elle a été élue communautaire. Voilà. Ah non, il n'y a pas de monopole. C'est réparti selon les présents et les élus, c'est tout. Hein. On ne peut pas mettre un conseiller municipal dans une commission communautaire. Voilà. Madame Saluki, s'il vous plaît, il y a deux conseils municipaux. Je vous avais fait la demande d'avoir un tableau des élus mis à jour. Non, ça n'a pas été fait du tout. C'est-à-dire que j'avais demandé la liste des élus du conseil municipal avec leur délégation et leur subdélégation. Et avec en face, pas du tout. Ce qui a été mis dans mon casier, c'est la délibération de 2014 avec une composition du conseil municipal qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Et avec des délégations et des subdélégations qui ne sont plus à jour. Si je vous les ai demandées, il y a deux conseils municipaux, ce n'est pas pour rien, on va dire. C'était pour justement y voir plus clair dans ce maelstrom, dans ce brouhaha général. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas ça. Vous étiez engagé en conseil municipal à me le donner, j'ai reçu un mail aujourd'hui et j'ai pas les informations. Donc j'aimerais savoir, voilà, qui, comme ça on voit clairement qui a des subdélégations, donc qui est dans votre équipe, qui n'a pas de subdélégation. Et quels sont les montants en face de l'indemnité en face de chaque personne. D'accord. Merci. Ok, bon, alors on va enfin travailler. Merci pour ce show. Bien, comme chaque année, et conformément à l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport précise, s'agissant du budget principal et du budget annexe assainissement, les prévisions, et j'insiste sur le mot prévision, en termes de recettes et de dépenses pour l'exercice à venir, et les hypothèses, également j'insiste sur les hypothèses de travail revenu. Sont également mentionnés des éléments concernant l'effectif de la collectivité et l'encours de la dette. Il est pris acte de ces débats par une délibération spécifique. Donc, comme vous avez tous eu dans mon casier le rapport d'orientation budgétaire, je vais en faire non pas la lecture complète, mais on va parcourir ce rapport. Donc, en premier lieu, au niveau de la conjoncture économique, et les évolutions législatives impactant les collectivités territoriales, nous pouvons retenir 2 choses. D'une part, le contexte économique de la Banque de France a établi en décembre 2018 que la croissance économique française aura été de 1,5% sur l'année 2018. Les perspectives de l'activité s'installeraient sur un rythme autour de 0,4% par trimestre, à partir du début 2019, pour s'établir en moyenne annuelle à 1,5% en 2019 et 1,6% en 2020. Après un pic à 2,6% en juillet et août, lié à la forte augmentation du prix de l'énergie et à la hausse des taxes sur le tabac, l'inflation totale en France atteindrait 2,1% en moyenne sur 2018. Elle était de 1,2% en 2017. Les projections
de la Banque de France sont de 1,6% pour 2019. Dans ce contexte, bien sûr, une légère hausse de taux d'intérêt est anticipée. D'autre part, les évolutions législatives. La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit une évolution annuelle moyenne à hauteur de 1,2% pour les collectivités, donc 1,1% pour les communes, les groupements à fiscalité propre, 1,4% pour les départements et 1,2% pour les régions. Le projet de loi de finances 2019 s'inscrit donc dans la continuité du cadre établi pour la loi de programmation 2018-2022, avec le maintien du principe de la restriction des dépenses de fonctionnement et la suppression de la taxe d'habitation dans l'attente d'un projet de loi sur la réforme de la fiscalité prévu au premier semestre 2019. Donc, les cinq principales mesures concernant la commune vont être évoquées maintenant. Donc, en premier lieu, le maintien de la dotation globale de fonctionnement pour la France, qui est de 26,95 milliards d'euros, comme en 2018. Toutefois, à l'intérieur de cette DGF, de cette enveloppe, les mécanismes de péréquation peuvent faire varier les montants individuels de DGF attribués. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. En deuxième point, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales. Pour l'année 2019, les bases fiscales d'habitation devraient augmenter de 2,2%. Nous en aurons notification normalement fin mars. Troisième point, la réforme de la taxe d'habitation. Pour environ 80% des ménages, l'exonération de la TH sera portée à 65% en 2019. Il existe toujours une incertitude quant aux exonérations applicables aux 20% des ménages non concernés actuellement par ce dispositif. Le quatrième point, c'est l'aménagement de la taxe de séjour. L'harmonisation des dates de versement de la taxe de séjour par les plateformes au 31 décembre de l'année de perception et des mesures plus coercitives, disons, de contrôle. Cinquième point, un décalage d'un an de la date d'entrée en vigueur de l'automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, FCTVA. Donc, la loi de finances, je vous rappelle, avait instauré l'automatisation de gestion de la FCTVA et prévue initialement en 2019. Elle était prévue en 2019, elle est reportée au 1er janvier 2020 compte tenu de sa complexité technique en matière de mise en œuvre. Deuxième chapitre, donc les relations avec la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et les transferts de compétences. Donc, comme vous le savez, plusieurs transferts de compétences depuis 2015 ont eu lieu avec la CASA. Donc, vous les avez dans le document, la politique de la ville, la gestion de l'aire d'accueil des voyages, la gestion de la ZAE de Saint-Bernard et le GEMAPI. La prochaine étape concernera donc le transfert de la compétence assainissement qui devrait intervenir au 1er janvier 2020 selon les textes en vigueur. Alors, ces différents transferts ont donné lieu à l'évaluation des charges transférées, d'où s'ensuit un nouveau calcul de l'attribution de la compensation versée par la CASA à la commune. Pour 2018, l'attribution de compensation est diminuée de 400 000 euros, comme vous l'avez dans le tableau joint dans votre document. Pour 2019, une estimation à 4,18 millions d'euros. La dotation de solidarité communautaire. La CASA continue à verser une dotation de solidarité communautaire aux communes membres.
ce qui n'est pas une obligation, car d'autres communautés d'agglos, comme celle des Pays de l'Hérens, ne versent pas cette dotation de solidarité communautaire. Pour 2019, on a une estimation à 0,76 million d'euros et en 2018, elle était de 0,85 million d'euros. Autre point, la participation au financement des investissements de par la CASA. La CASA donc participe au financement de certains investissements portés par la ville au travers de fonds de concours. En moyenne, 30% du coût hors taxe des travaux concernant les équipements publics. La CASA est également signataire de la convention Cœur de Ville, et donc à ce titre, elle participe à cette convention. Nous arrivons maintenant aux propositions budgétaires pour 2019. Au niveau du budget principal, le résultat de clôture de l'exercice 2018 est estimé à 3,6 millions d'euros, dans l'attente bien sûr de la validation du compte de gestion. Ce résultat sera repris par anticipation dans le cadre du vote du budget primitif. Le prévisionnel des recettes de fonctionnement, hors opérations exceptionnelles et reports antérieurs, est construit sur la base d'une augmentation de 0,7% des recettes réelles de fonctionnement par rapport au budget primitif de 2018. Le prévisionnel est de 44,3 millions d'euros pour 2019 et nous allons voir un petit peu comment il va être réparti. Au niveau de l'imposition directe, l'estimation est de 32,3 millions d'euros. La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives étant prévue sur une base de 2,2% en 2019, nous garderons par prudence à ce stade un taux de 2%. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous aurons la notification des bases de titre en 2019, mars 2019. Les taux d'imposition seront, eux, maintenus au niveau 2018. Le produit fiscal attendu pour les taxes foncières et d'habitation en 2019 est de 23,6 millions d'euros. Les autres taxes, alors sur l'électricité, sur la publicité extérieure, entre autres, ne devraient pas trop varier. Il est prévu toutefois une augmentation de la taxe de séjour compte tenu de l'évolution de la législation concernant les plateformes en ligne. La taxe additionnelle aux droits de mutation, comme en 2017, l'année 2018 démontre une dynamique des transactions. La taxe additionnelle est à nouveau de l'ordre de 3 millions d'euros, soit une moyenne de 2,95 millions d'euros sur les trois derniers exercices. Par prudence, seront prévus 2,6 millions d'euros sur 2019. Les dotations, subventions et participations, comme précisé préalablement, l'enveloppe globale de la DGF doit être identique entre 2018 et 2019. Toutefois, compte tenu de la péréquation, nous prévoyons, comme en 2018, une baisse de la DGF pour la commune. Vous avez à la suite, dans vos documents, un tableau qui vous montre un petit peu ce que nous avons perdu donc, depuis 2015, où nous avions 3,34 millions d'euros de dotation et l'estimation 2019 qui est de 1,72 millions d'euros. Pratiquement la moitié. Les autres dotations et participations sont constituées principalement des participations de la CAF, dont les recettes sont estimées à 5,1 millions d'euros pour 2019. La CAF, elle, est à hauteur de 2,1 millions d'euros.
Les autres produits, 6,2 millions d'euros de recettes sont prévues. Vous avez le détail dans vos documents. Je passe sur les produits financiers sont constitués à hauteur de 0,48 millions d'euros du versement annuel au titre du fonds de soutien pour les crédits structurels. Les produits exceptionnels sont principalement constitués d'annulations de mandats sur exercice antérieur ou de sommes perçues dans le cadre des recours contre tiers. Vous comprendrez que le montant est difficile à prévoir. Sont prévus tout de même 0,1 million d'euros pour 2019. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, hors opérations exceptionnelles, il est prévu une augmentation de 0,4% des dépenses réelles de fonctionnement et un total donc de 41,6 millions d'euros plus 155 000 euros. Les charges de personnes. Il est prévu une croissance de 0,65% des dépenses de personnel et frais assimilés par rapport au budget 2018, qui était de 23,745 euros. Elles sont estimées à 23,9 millions d'euros. Cette hausse peut s'expliquer par des facteurs externes réglementaires, entre autres, pour citer que celui-là, vous avez toutes les explications à la suite, mais je pense qu'il est important de dire qu'à compter du 1er janvier 2019, le montant du SMIC horaire augmente de 1,5%, par exemple, et vous avez décliné ensuite toutes les autres raisons qui ont fait qu'on augmente de 0,65%. Au niveau des charges à caractère général, il est prévu un maintien, comme en 2018, à 9,4 millions d'euros. Au poste des atténuations de produits, le prélèvement au titre de la loi SRU, la ville ayant versé en 2017 une subvention, comme Mme le maire l'a dit tout à l'heure, de 0,3 millions d'euros à la Cévival pour la construction de logements sociaux, le montant des pénalités sera minoré d'autant. Pour 2019, le prélèvement est estimé à 0,62 millions d'euros. Là aussi, vous avez un tableau qui vous résume un petit peu la situation depuis 2015, où on était à zéro, et où maintenant, on est à 0,62. Donc là, vous voyez un petit peu la progression. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. Comme précisé plus avant, la part allouée à la péréquation dans l'enveloppe DGF continue de croître. Nous anticipons, comme pour 2018, une augmentation du versement pour la commune. Vous avez donc le tableau. En 2015, nous versions 0,29 millions d'euros. Et là, nous... Ça, c'est... 0,29. Et là, nous sommes à 0,80. Il est prévu une stabilisation de ce poste à 4,1 millions d'euros en ce qui concerne les autres charges de gestion courante. Donc, les principales dépenses sont, entre autres, le SDIS et les indemnités aux élus, les subventions aux associations, au CCAS et à l'Office du tourisme. Les charges financières, compte tenu donc du désendettement de la commune, les charges financières continuent de décroître. Pour 2019, sont prévus 1,88 millions d'euros de charges financières contre 1,96 au BP 2018. Les charges exceptionnelles, il s'agit donc principalement des sommes versées aux délégataires dans le cadre de la gestion du stationnement, à savoir 98% des droits de voirie
et de la contribution d'équilibre pour un montant donc de 0,5 million d'euros. Je vous rappelle que la condition d'équilibre s'établit autour de 110 000 euros que nous versons grâce au contrat qui a été passé, qui est un petit peu, cette contribution est un petit peu curieuse. Les niveaux d'épargne. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que globalement, l'évolution de l'épargne brute est à mettre en parallèle avec la baisse de la DGF et la hausse de certaines dépenses obligatoires, comme le prélèvement au titre de la loi SRU et la participation au fonds de péréquation. Vous avez donc un tableau qui vous résume un petit peu la situation avec les différents postes. Les recettes d'investissement hors report antérieur et épargne, il est prévu 7,2 millions d'euros de recettes réelles d'investissement. Les subventions d'investissement, 0,5 millions d'euros sont inscrits en reste à réaliser, 1,2 million supplémentaires sont prévus pour 2019 provenant de la CASA, du département, de la région et du titre de dotation de soutien à l'investissement local. Les dotations fonds divers et réserves. Le FCTA est estimé à 1 million d'euros. Le taux est inchangé à 16,404%. La taxe d'aménagement, elle, est évaluée à 0,4 million d'euros. Les produits de cession. La cession du terrain du Château Robert pour un montant de 300 000 euros est inscrite en reste à réaliser. L'acte de vente a été signé en janvier. D'autres cessions sont prévues pour un montant estimé de 700 000 euros. Les emprunts. Comme en 2018, l'emprunt inscrit au budget sera inférieur au remboursement en capital de la dette afin de ne pas accroître l'endettement de la ville. Il est prévu à ce jour 2,9 millions d'euros d'emprunt et 3 millions de remboursement. En réalisé, le montant d'emprunt a été très inférieur au prévisionnel en 2017, pas d'emprunt, en 2018, 1,4 million d'euros réalisés et 2,8 millions d'euros remboursés. Les dépenses d'investissement sont, elles, à hauteur de 13,5 millions d'euros, dépenses réelles, pour 2019. Les immobilisations incorporelles, donc ce sont des frais d'études et des frais liés aux documents d'urbanisme pour un montant de 300 000 euros. Les subventions d'équipement versées sont prévues une partie de la subvention due à Grand État dans le cadre de la construction d'une résidence senior, dont le montant viendra en déduction des pénalités SRU. Une somme prévisionnelle pour la future OPA-RU pour un total de 300 000 euros. Des immobilisations corporelles. Il s'agit d'acquisition de matériel pour un montant de 2 millions d'euros, répartis principalement entre le CTM pour l'acquisition de véhicules et de matériel, et la DSI, donc équipement informatique. Les immobilisations en cours. Donc, en plus des 2,1 millions d'euros de reste à réaliser, ces dépenses concernent prioritairement la place du château et le baron de la Mayenne. Donc, on a prévu donc, des projets récurrents pour la rénovation des bâtiments publics et la voirie. Vous avez le détail dans vos documents. Et des opérations pluriannuelles faisant l'objet d'une autorisation de programme présentée donc dans le tableau que vous avez à la suite. Donc vous avez trois projets, la construction de la base nautique, la réhabilitation du boulevard de l'avenue Georges Clemenceau et la phase 2 des abords du château.
Donc vous avez pour 2019 ce qui est prévu et pour 2020. Et le total de l'autorisation pour un dans la première colonne. En ce qui concerne l'opération Cœur de Ville, la convention signée donc en octobre 2018 comprend différentes opérations auxquelles la ville participe financièrement et vous en avez le détail dans votre document. Nous arrivons maintenant aux propositions budgétaires pour 2019 au niveau du budget assainissement. L'estimation du résultat de l'exercice 2018 est estimée, donc ce résultat est estimé à 5,2 millions d'euros dans l'attente de la validation du compte de gestion. Ce résultat sera repris par anticipation dans le cadre du vote du budget primitif. Comme en 2018, une part de cet excédent sera affectée au budget principal. La compétence assainissement, comme je l'ai dit précédemment, doit être transférée à la CASA au 1er janvier 2020, selon donc les textes en vigueur. En ce qui concerne les dépenses, les recettes et dépenses d'exploitation, hors opérations exceptionnelles et report des excédents, il n'est pas prévu de variation par rapport à 2018. Nous resterons donc sur la même base. Les recettes et dépenses d'investissement. Il n'est pas prévu de recettes d'investissement sur ce budget autre que l'épargne dégagée par la section d'exploitation. Des travaux donc pour un montant de 2,5 millions d'euros sont prévus et vous en avez le détail. S'agissant de l'encours de la dette, il ne reste que 70 000 euros d'avance de l'agence de l'eau à rembourser sur 2019. Élément sur le personnel maintenant. Donc, en 2018, conformément à la loi, la ville a mis en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, l'ISEP. Le dispositif du CIA, complément indemnitaire annuel, est reconduit pour 2019. Vous avez ensuite un tableau qui vous donne un petit peu l'effectif, la variation des effectifs depuis 2016. Et vous apercevez qu'en 2016, nous avions donc au niveau des effectifs ville plus CCAS 714 employés. Et nous en avons en 2019 699. Donc les effectifs sont pris au 1er janvier de l'année en cours. Alors une explication sur les effectifs 2019 auxquels il faut rajouter 13 CDI qui ont été transformés en CDD compte tenu du désengagement de l'État en la matière. Les taux d'absentéisme, si vous consultez le tableau qui vous a été fourni, vous voyez que nous sommes dans la moyenne d'absentéisme des collectivités territoriales. 10%. Au niveau de la répartition des effectifs, vous voyez également dans les tableaux, nous avons 265 hommes, 434 femmes, pour un total de 699 employés à la commune. Les emplois de catégorie C sont très largement majoritaires au sein de la collectivité, ville et CCAS bien sûr, et la filière technique est la plus représentée au sein de la ville. Passons aux éléments sur l'encours de la dette. L'évolution de l'encours de la dette au niveau du budget principal. Vous avez un tableau. Je vais me limiter à comparer ce qui est comparable, à savoir la dette bancaire hors opération de sécurisation des crédits structurés. C'est-à-dire que si on prend sur 2015, on voit que la dette était de 44,4 millions d'euros et qu'elle est aujourd'hui, enfin en 2018, de 41,9 euros, c'est-à-dire que nous avons 2,5 millions d'euros en moins.
Au niveau du budget assainissement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc il nous restera 70 000 euros et ensuite tout sera intégralement remboursé. La répartition de l'encours de dette bancaire du budget principal est très majoritairement à taux fixe et présente donc peu de risques en termes d'évolution des taux d'intérêt. Vous avez le tableau qui vous indique que nous sommes en taux moyen à 3,10% pour la collectivité. Vous avez ensuite un camembert qui vous donne un petit peu la répartition de la dette par prêteur. Et vous avez également dans un tableau l'extinction de dette du budget principal. Et vous voyez que nous avons remboursé en 2018 2,9 millions d'euros. Et nous estimons pour 2019 3 millions d'euros et 3 millions d'euros également pour 2020. Et la dernière page vous donne un histogramme qui vous indique que il y aura une baisse significative au niveau du remboursement du capital à partir de 2020. Voilà, alors vous avez pu remarquer que malgré la baisse des dotations, nous continuons sur la lancée en 2019, comme nous avions commencé en 2017-2018. 10,5 millions d'investissements en 2018, on prévoit 13,5 millions en 2019, avec les réserves aussi liées aux interruptions, comme vous le savez, près du château, nous avons un archéologue qui a découvert des vestiges. Alors, les projets d'aménagement réalisés ou commencés en 2018, hors cœur de ville, le centre de golf Juan pour presque 2 millions avec l'assainissement, la place du château pour 900 000 euros se poursuivent à Valoris, bas Clémenceau, puisque nous avons toujours ce problème du château proche du Gau. Avec assainissement bas Clémenceau, on évalue à 725 000 euros. Et la suite du château, si nous arrivons à poursuivre, pour 900 000 euros. Donc nous sommes toujours sur des investissements importants pour la ville d'aménagement, de réaménagement, de rénovation. Et tous ces investissements, comme vous avez pu le constater avec le développement de M. Molesti, que je remercie pour son travail, ainsi que Mme Pau, qui a fait un travail cette année absolument fabuleux, donc en continuant à désendetter. Voilà, c'est très important. Vous avez remarqué pas d'emprunt en 2017, 1,4 million en 2018, ce qui est un espoir, c'est un challenge réussi. Bravo à toutes les équipes qui ont travaillé. Et nous allons aujourd'hui vers le mieux avec moins de dotations, puisque les dotations, contrairement à ce qui s'était affiché ici et là, continuent à baisser. Donc nous avons de lourds postes, la sécurité, puisque effectivement, comme vous le voyez, on a énormément investi dans les vidéos surveillance. Nous avons, je crois, M. Monesti, 78 caméras de vidéosurveillance sur le territoire aujourd'hui. Des résultats spectaculaires au niveau de l'APM, une baisse notable et notoire de la délinquance. Félicitations au service et aux agents de la police. Ensuite, nous avons eu de lourds travaux, division des CP, sont à venir les divisions du CE1, à ce jour sans subvention de l'État. Voilà, donc on assume. La ville se redresse, la relance se poursuit, mais il ne faut pas relâcher la vigilance. Et là aussi, il y a un budget de prudence, parce que, comme vous le savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous avons connu les événements, les inondations d'octobre 2015 qui nous avaient obligés à emprunter. Aujourd'hui, nous sommes prudents. Il y a des événements pluvieux majeurs et on ne peut pas prévoir de quoi demain sera fait au niveau des précipitations. Interrogation aussi sur la taxe d'habitation, car la taxe d'habitation a été figée d'une manière globale. Donc aujourd'hui, on continue à avoir des augmentations et des coûts importants sur l'entretien de la commune, avec de nouvelles populations qui arrivent, et c'est bien, parce que ce sont des actifs qui viennent s'installer.
dans des commerces, dans des logements, et je pense que là, il y a une nouvelle dynamique. Pour autant, c'est un budget qui va être prudent, et nous continuons pourtant sur nos projets. Voilà, donc ça, je voulais dire en conclusion de l'excellent travail des services des finances. Merci, monsieur Monesti. Il est demandé au conseil municipal, vu l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la commission des finances, vu le rapport d'orientation budgétaire 2019, de prendre acte du débat d'orientation budgétaire et de la présentation du rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2019. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Comme c'est un rapport et en même temps un débat, je voudrais faire deux, trois petites remarques. Dans le bon sens, bien sûr, et sans polémique aucune, on est effectivement dans du prévisionnel, donc les chiffres ne sont pas figés. On verra les chiffres figés un petit peu plus tard au niveau du vote du budget. Cela étant dit, d'abord félicitations à M. Molesti pour son exposé, ainsi qu'à Mme Pau, bien sûr, pour le contenu synthétique que nous avons apprécié. Donc, une petite remarque par rapport, et je le dis sans polémique, à M. Monesti qui disait sur la DGF, effectivement, que les mécanismes de péréquation peuvent faire varier les montants individuels de la DGF. Mais je tiens quand même à préciser que l'année dernière, par exemple, puisque nous avons des experts, heureusement, avec nous, Mme Pau avait prévu au DOB 1,9 de DGF et nous avons obtenu 1,86. Donc il y a 40 000 euros, c'est-à-dire trois fois rien. Et voilà, donc cette année, je pense qu'on peut, on ne part pas dans le flou, je pense qu'à quelque chose près, on peut s'attendre à avoir les. On en est sûr à peu près à Pidès. On n'en est pas sûr. Pour l'instant, ce ne sont que des prévisions, on suppose. C'est ce que j'ai dit, M. Molesti, ce sont des prévisions, mais à tellement peu de variables qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir des surprises avec la DG. C'était la première petite remarque. Ensuite, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est par rapport à l'épargne brute. Alors, à la page 11, dans le paragraphe 3.4, il y a les niveaux d'épargne qui sont indiqués, 2015, 16, 17, 18, etc. Donc très bien. Mais il y a un petit astérix au niveau des prévisions pour 2019. On est à 3,7, mais avec les cessions d'actifs. Et normalement, on n'a jamais fait comme ça. On ne compte pas en prévisionnel les cessions d'actifs, car ils sont inscrits en section d'investissement au chapitre 0.24 en recettes. Bon, je ne comprends pas trop pourquoi on a mis ces cessions d'actifs. Et si on met ça, on aurait pu également mettre 100. Voilà. Donc je voudrais savoir pourquoi il y a eu ce choix. Ce n'est pas un choix, monsieur, on est au débat, on n'est pas au budget primitif, donc on n'a pas l'obligation d'aller en le met maintenant, donc c'est comme ça. Hein. Donc vous demanderez à Madame Pau les explications, effectivement, si elle a dit que c'est légal. Mais est-ce que j'ai dit que ce n'était pas légal? Non, c'est pas de la polémique, sur le sort. Je dis simplement, on est dans un débat, je dis simplement, on n'a jamais dit. Je vous donne la réponse de Madame Pau. Je n'ai pas dit que ce n'était pas légal, je dis simplement qu'on ne l'a jamais fait dans un prévisionnel, les cessions d'actifs ne sont pas inscrits puisqu'ils sont inscrits en section d'investissement. Ensuite, donc j'aimerais bien savoir les prévisions sans les cessions, elles sont à combien? On a donné les sessions, monsieur Bertrand, vous lisez le DOP. Les sessions, on a mis 300 000 pour le château et 700 000 d'autres sessions. On est à 1 million, monsieur, on l'a détaillé dans le DOP. S'il faut reprendre tout le. Si vous non, voulez, non, du tout. Donc ça veut dire. Non, mais en police, si vous voulez. Ça veut dire que sans les sessions, on est à 3 millions. De 7.
2-7. Non, parce que les 300 000 du Château Robert sont déjà... Mais c'est ce que je viens de faire, monsieur Molesti, j'ai dit... Ben oui, c'est 700 000 qui sont prévus. Monsieur Molesti, je viens de dire que vous aviez 3-7, si vous enlevez 1 million, ça fait 2-7, et si vous rajoutez 300 000, ça fait 2 millions. Donc en fait, 3 millions. Donc on est dans un prévisionnel à 3 millions au niveau de l'épargne brute. Bon, écoutez, je demande à Madame Pau de vous expliquer parce que là, elle me fait signe que c'est pas ça. Donc, pas de problème, je comprends très bien. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à la voix demain pour des explications. Sur l'encours, non, mais j'ai pas besoin d'explications. J'ai simplement à éclaircir. Je pense pas que vous soyez du niveau de Madame Pau, comme Monsieur Bertrand. Là, vous êtes en train de nous expliquer quelque chose qui est évident. Mais si. Je dis simplement que ça n'a pas été fait. Je voulais juste le signaler. Il y avait ce petit astérix. Et voilà, donc on est à 3 millions d'épargne brute, pas à 3,7 millions. Donc les investissements ne sont pas réalisés. Sur l'encours de la dette, je voulais aussi dire toute l'importance de l'encours de la dette nette, parce que c'est avec ça qu'on calcule le ratio de désendettement. Donc le calcul qui a été fait est très bien, mais je tiens quand même à signaler qu'il faut tenir compte de l'encours de la dette nette. C'est celui-là qui est le plus important. On a reçu votre leçon. Monsieur. Et enfin, sur l'assainissement, vous avez indiqué sur l'assainissement qu'il y aurait par rapport à l'excédent, un morceau qui serait pris pour le mettre au niveau du budget principal. Ça sera de quel ordre? Parce que ce n'est pas précisé. Toujours dans les provisionnels. Je pense que ça sera fixé au niveau du canton, le budget, le primitif. Donc pour l'instant c'est pas fixé. C'est pas d'accord. Oui. Merci Monsieur Molesti. Monsieur Molesti, s'il vous plaît, je n'ai pas compréhension de tout ça. Je reviens sur les grands. Excusez-moi, mais il faudrait que Monsieur Bertrand éteigne son. Les grands ensembles, au niveau des recettes de fonctionnement, vous avez prévu un prévisionnel de 44,3 millions d'euros, auquel il faut rajouter les 3,6. L'excédent qui vont intégrer les recettes de fonctionnement. On est bien d'accord. Donc on arrive à 4,7 millions d'euros. En face, vous avez les dépenses de fonctionnement, vous avez ciblé à hauteur de 41,6 millions d'euros. Donc de là, il y a un delta de 6,3 millions. Et je voudrais avoir la certitude que ces 6,3 millions vont bien être affectés en recettes d'investissement. Parce qu'à l'heure actuelle, par rapport aux dépenses d'investissement que vous avez prévu à hauteur de 13 et quelques millions, 13,5 millions, vous n'avez que. Il n'écoute pas. Si, vous écoute, mais si vous voulez, tout ça a été dit en commission des finances, il faut venir, monsieur. Mais madame, il ne faut pas changer de date à tout champ. La première fois, vous changez de date des commissions des finances. Oui. Le 13 était disponible, le 14 n'était pas. Ah. Permettez qu'on ait aussi des obligations. Ah. Hein? Faut faire donc, je demande une précision. Monsieur Molesti peut y répondre. Oui, non, mais c'est ça. C'est arithmétique, donc c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'un intellectuel outre mesure pour pouvoir répondre à ça. Non, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème. Deuxième chose en matière d'investissement. Bon, bien entendu, il y a encore un résultat de clôture important de 5,2 millions. Bon, il serait souhaitable que cet argent soit utilisé le plus rapidement possible, parce que le transfert de compétences à la CASA. C'est pas nécessaire pour d'autres argent. Justement, oui, c'est ce qui est prévu. Vous avez tout compris, monsieur Giron, on y est. Non, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on... Oui, mais je suis tout. J'entends plus des engins de chantier. J'en ai parlé, hein, je l'ai dit qu'une partie serait reversée, et donc la partie, on ne l'a pas encore définie, on la définira. Vous avez vu qu'on fait de l'assainissement dans toute la ville. Merci de vos conclusions. Monsieur Valle. Bon. Il faut d'abord que M. Giraud éteigne, si on n'entend pas M. Valpo, excusez-moi. Merci Madame Boitry de veiller à ce qu'on va entendre. Nous débattons des orientations du budget, qui est à la fois un document technique et politique. Technique. Politique. Technique, car apparaissent les leviers financiers que la ville active pour équilibrer son budget et dégager du financement, et politique donc, puisqu'on est censé délibérer des projets à mettre en œuvre dans l'année à venir. Donc je voudrais intervenir sur ces deux points et les différencier assez clairement, le point technique et le point politique. Donc sur l'aspect financier pur, j'ai rien de particulier à signaler. Je remercie les services pour le travail clair et sérieux.
Si je comparais le, par rapport à votre prise de fonction par rapport à 2014, on va dire qu'il y a deux gros changements dans l'architecture du budget. Le premier, c'est l'importante hausse des impôts qui est intervenue en 2015. Et le second, c'est la sortie des emprunts toxiques. Avec cette hausse des impôts, ça a dégagé un petit peu de marge de financement que vous avez choisi d'orienter vers l'investissement et pas vers la diminution de la dette, très légèrement parce qu'elle a augmenté entre temps, bon bref. Hein, mais en gros, on est au même niveau de dette qu'en 2014, plus ou moins. Et ce niveau reste très élevé. Donc, maintenant, je voudrais revenir aux aspects politiques. Je le redis sans flatterie, hein, le travail des services est à saluer, et je dois dire que celui des élus dans ce document est absolument invisible. Ce document, il est censé être une feuille de route pour l'année à venir. Et il se trouve qu'il n'y a quasiment rien concernant vos projets. Ni la répartition du fonctionnement par service, combien pour le développement économique, pour les animations, etc. Ni la liste des projets prévisionnels. Donc là, je veux faire une intervention générale, pas rentrer dans les chiffres, je donne un seul chiffre. Vous annoncez 13,5 millions d'investissements, donc on en a parlé, mais vous nous présentez seulement 1,3 million de projets financés. Donc en fait, on ne sait pas du tout ce que vous allez faire cette année. On est censé en discuter, mais on ne peut pas en discuter puisque ce n'est pas écrit. Et vous nous mettez simplement quelques tirés regroupés en autorisation de programme et dans le fourre-tout cœur de ville. En lisant ce document, je dois dire que j'ai été assez en colère parce qu'on se donne la peine de travailler. On est tous impliqués pour l'avenir de Valoris Golfe Juan. Et j'ai l'impression que vous vous moquez de nous, en fait, et de ceux qui s'intéressent à l'avenir de Valoris Golfe Juan. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que vous n'avez pas de vision pour Valoris Golfe Juan et que vos projets sont complètement absents de ce document. Chaque année, je propose en général de réorienter vos choix vers telle ou telle priorité, puisqu'on n'est pas dans les mêmes groupes politiques, on a des priorités différentes et on les exprime au moment du débat d'orientation budgétaire. Cette année, je ne peux même pas le faire, en fait, puisque vous ne vous êtes même pas donné la peine de présenter ce que vous allez faire pendant l'année. Pas de vision, pas de projet, vous ne vous donnez plus la peine de faire semblant. Je ne ferai donc pas semblant d'espérer pouvoir infléchir vos positions fermées. Je pense que vous avez mal lu le document. Écoutez, tout y est. Je le mettrai en ligne, comme ça tout le monde le lira bien. La liste à la Prévert. Je vous rappelle qu'on va avoir un budget primitif. Effectivement, qui sera un gros pavé, vous aurez l'occasion de travailler. Là, c'est un débat d'orientation. Oui, mais on ne peut pas débattre. Avec des chiffres. On ne peut pas débattre. 13 millions d'investissements, si j'ai pas de vision, si on n'a pas de vision, si on n'a pas de projet. Écoutez, là, franchement, si vous êtes en colère, je crois que... Que vous n'avez rien à dire. Pour n'importe quoi. Là, je vous garantis que là, ce document est très clair, très transparent. On l'a voulu très transparent. Effectivement, on n'a pas voulu faire un pavé étouffant avec des listes sans fin. Vous savez nos projets, vous les connaissez, vous avez vu Cœur de Ville, donc c'est des très gros projets que vous n'avez pas compris là aussi. En 2019, Madame Zalecki, il se passera quoi ? Vous n'avez pas compris Cœur de Ville, vous avez confondu Cœur de Ville avec un FISAC, ce qui n'a strictement rien à voir. Vous nous reprochez de faire des projets qui ne sont pas des projets économiques, or Cœur de Ville, c'est un projet de réaménagement, d'attractivité, pour permettre la relance économique. Ce n'est pas du développement économique. C'est l'attractivité et la transformation de la ville qui va la rendre suffisamment séduisante pour que les commerces puissent trouver une dynamique. C'est ça. Et là, vous nous avez fait, j'ai bien lu votre document, parce que alors ça, c'est un modèle du genre, dans la transformation de la vérité, là, il y aurait mieux. Et je me dis, vous n'avez rien compris à Cœur de Ville. Alors, tout est dit dans Cœur de Ville. Expliquez-nous, tout est madame dit, la rénovation, le réaménagement total de la ville, avec un repositionnement des logements, qui sont des critères non négociables de l'État, dont la résidence senior que vous nous abusez de payer 11 millions, ce qui est complètement fou. J'ai jamais dit ça, apprenez à lire. J'ai jamais dit ça, madame. Laissez entendre dans votre phrase. Absolument. On vous l'entendez. 350 000 euros et pas un sou de plus, qui viendra en déduction de la pénalité SRU. Tout le reste est à la charge du bailleur social qui en prend la responsabilité. Alors soyons précis, voilà. Si vous le voulez bien, on est en débat d'orientation budgétaire pour 2019. Oui, quels seront les projets qui démarreront en 2019 et seront financés à quelle hauteur par la ville? Eh bien, c'est indiqué, par la ville, c'est indiqué, mais c'est pas... vous avez tous les projets cœur de ville, donc là, je vous les donne. Construction
d'une base nautique, ouais. Engagement 600 000 euros, 1 million en 2020, réhabilitation de Clémenceau, engagement 300 000 euros. Oui. On arrive à 1,7 million en tout, oui. Sur 13,5 millions. On lisse parce qu'on fait quoi, on a un impératif. On fait quoi des 12 millions qui restent d'investissement? Vous avez prévu quoi? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Vous avez la en 2019. Marque, monsieur, mais vous allez avoir tout ça dans le budget primitif. Ah, ben on en débattra au moment du budget primitif, ça sert à rien qu'on s'en mette alors, c'est un débat d'orientation. Un débat d'orientation. Mais on ne sait pas vers quoi vous orienter. C'est pas un budget primitif, madame. Et oui, vous avez pas compris. Mais non, mais vous, c'est fou. Bon, ben rendez-vous au budget, alors merci, donc, c'était très intéressant. On a une vision qui est très très claire du réaménagement et de l'attractivité de Valoris Golfe-Jean. On a travaillé sur Golfe-Jean, on a investi quasiment 2 millions. On rebascule sur Valoris où on va développer, et là aujourd'hui, tous les jours, j'ai des compliments sur la place du château. Ça participe à une activité économique qui va venir, vous allez le voir, pour la fête du printemps. Donc c'est automatique. Qu'on sert l'économie avec le réaménagement et la rénovation de la ville. Alors, si vous ne le comprenez pas, je suis désolée, effectivement, nous n'avons pas du tout la même vision. Nous, on travaille pour la dynamique de la ville, c'est fondamental aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix que de développer de l'attractivité. Cette ville est tombée tellement bas. Vous parlez de la dette, vous débattez tout seul. Vous débattez tout seul, madame. C'est votre ami, monsieur Giraud. Les endroits toxiques, c'est votre ami. Vous allez vous associer à monsieur Giraud. Ben voilà. Alors vous savez. Il est avec vous. Vous l'avez tellement critiqué quand il est aux affaires que maintenant vous allez vous associer. Donc vous allez faire la même chose. Ce qui est bien, c'est que si je m'associe avec M. Giraud et M. Bertrand, vous aurez à la fois dans la même équipe la personne qui a fait l'erreur de contracter les emprunts toxiques, à laquelle je me suis opposé sur ce dossier, parce que, en effet, je pense que ça a été une erreur. Il n'a pas été le seul à faire cette erreur. Il n'a pas été le seul. Je me suis battu pour Valoris Golfe-Jean. Vous aurez dans le groupe aussi la personne qui a révélé ses emprunts toxiques et qui a proposé un plan de sortie de crise, à savoir moi-même. Et vous aurez aussi, puisque maintenant je suis associé à M. Bertrand, on va en discuter d'ailleurs en sortant du conseil municipal. Non, mais c'était de l'ironie, madame Salut. C'est la vérité. Alors, tout le monde comprend ce qui s'est passé. Voilà. Et oui, il fallait le dire dès le début plutôt que de faire le show. C'est pas et vous aurez, et vous aurez aussi dans le groupe la personne qui a sorti les emprunts toxiques. Et ce sera parti. Non, c'est pas la personne qui a sorti les emprunts toxiques, c'est moi qui les ai négociés. Je suis désolée de vous détromper. Par contre, c'est pas M. Gumiel qui les a contractés alors. Et c'est pas M. Gumiel qui les a contractés alors. C'est M. Gumiel qui les a contractés. Ah, c'est plus M. Giraud, merci de m'entendre dire. C'est M. Giraud. Je suis désolée. C'est le travail d'une équipe, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes. Ouais, merci. Enfin, on a compris. Là, enfin, la démarche de M. Bertrand, pourquoi brutalement il est parti, pourquoi brutalement j'avais tous les torts. Il a juste oublié un petit détail, c'est une trahison de la confiance que j'avais en lui, c'est tout, c'est pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, on a, vous voulez le dire, vous êtes associé à M. Bertrand. Vous êtes merci, au théâtre, vous êtes pas au théâtre. Merci, monsieur. J'ai dit... Ça, c'est vous qui nous avez la séance de théâtre. Vous êtes toujours dans l'humiliation des gens. Vous humiliez, vous méprisez. J'ai rien du tout, j'ai rien du tout. Vous méprisez les gens dans la manière dont vous allez arrêter. C'est ça. Vous êtes au-dessus des autres. Vous n'avez pas besoin de me donner, monsieur Bertrand. On vient de tout découvrir, c'est monsieur Bertrand. Je constate simplement, je vous ai dit ma position, je vous la donnerai au prochain conseil. Mais c'est hallucinant de voir comment vous méprisez. Les je méprise même personne. Ceux qui méprisent, c'est ceux qui trahissent, monsieur. En tout cas, et je n'ai trahi de... personne. Vous m'avez trahi, madame. C'est vous qui avez trahi. Ah voilà. Et c'est oui, jamais vous, la première c'est que... C'est toujours la faute des autres. Vous êtes même pas capable, de dire que je ne fais pas partie, que vous ne voulez pas dans votre opposition. Vous faites des réunions sans prévenir. C'est pas de la trahison, ça. Même pas un coup de téléphone. C'est hallucinant. Je vous ai reçu dans mon cabinet, voilà, monsieur. Vous avez dit au nom de notre amitié, ne me fais pas ça. Mais c'est scandaleux ce qu'on dit. C'est le fait de vous avoir retiré. Vous savez de l'amitié, c'est vous qui nous en servez. Vous savez de notre amitié, pour dire que j'ai trahi, c'est pas vrai, c'est vous qui m'avez trahi. Non, monsieur, c'est vrai. Et vous parlez toujours d'argent. Ah oui, non, c'est vous qui parlez d'argent. Si je vous avais pas retiré vos indignités, monsieur Bertrand, comme madame Lanza, vous seriez tout gentil aujourd'hui. Et oui, si j'avais donné le poste. C'est toute mignonne. Et vous, c'est pareil, monsieur. C'est les conseillers. Alors, si on revient, c'est les conseillers qui sont là, qui vous ont demandé de démissionner.
Oui. Je n'ai jamais demandé que vous démissionniez. Si vous étiez resté premier adjoint, vous seriez. Mais c'était du chantage, madame le maire. Puisque vous avez dit. Mais monsieur Bertrand, parce qu'aujourd'hui, alors que vous attendez la prochaine tout fois. Tout le monde sait dans cette assemblée. Si je n'avais pas démissionné, les subdélégués n'auraient pas eu les subventions. Vous l'avez dit à tout le monde. Alors arrêtez. C'était du chantage, j'ai compris qu'il y avait du chantage. Mais il faut dire la vérité à un moment donné. Ah, mais elle a dit, monsieur. Rien. Elle se dit, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Vous êtes parti de la commune, monsieur. Je suis parti de la commune, j'ai toujours mon appartement, je suis toujours à Valoris. Je consomme toujours à Valoris. Vous habitez Valrenne, il y a Valrenne. Écoutez, c'est à 10%. Moi, ce que je voudrais vous dire. Politique. Politique. Juste une seconde, politiquement, madame le maire, il faudrait. Vous allez découvrir, c'est pas grave. Politiquement, madame le maire, il faudrait arrêter le c'est pipi caca, j'ai encore des choses. Je veux voir si maintenant ça de monsieur Bertrand. Non, alors, une dernière chose, je voudrais, madame le maire, que vous arrêtiez de critiquer le gouvernement Macron. Parce que si elle est notre fille. Je vais vous dire pourquoi. Par décence, vous êtes la seule ville où il y a deux villes dans le département qui ont des aides. Alors moi, je veux bien que tout le monde ait des diminutions au niveau de la DGF, qui sont minimes. Mais la seule ville avec une autre, que je ne citerai pas, dans le département, qui va avoir des aides pour le cœur de ville, et tout le cœur de ville que vous réaliserez, j'espère que ça sera un succès, ce cœur de ville, il sera en grande partie dû aux subventions qui vous seront données par l'État. Alors arrêtez de grâce de taper sur ce gouvernement qui va vous aider. Monsieur Bertrand, vous n'avez aucun conseil à me donner. Moi, je ne retourne pas mes baisses. Vous venez de retourner ma baisse. Donc, je pense que monsieur Falcou va prendre l'étiquette Macron. D'accord, ok. Alors, on va passer à autre chose. Alors, répartition. Quand madame Saluki, madame Saluki. Oui. Non, ah bah, écoutez, je veux bien. Vous avez dit que monsieur Bertrand. Non, mais madame Saluki. Madame, je veux bien qu'un trait d'humour nous détende tous, et c'est bien qu'on se détende un peu. Je veux juste que ce soit clair et net que c'était votre trait d'humour, d'accord? Donc ne faites pas de sous-entendu comme ça, s'il vous plaît. On garde la sérénité des débats. Vous voulez qu'on parle politique nationale? Si vous voulez, on peut faire semblant qu'on en parle. Merci, moi non plus. Donc on reprend Valoris Golfe-Juan, on est tous là pour ça, et on essaye de garder un débat un petit peu serein, si vous voulez bien. Ah bah ça, il faut le dire à votre ami, hein. Bon, on passe à M. Molesti, répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, approbation du renouvellement de la convention de réciprocité avec la commune de Cagnes-sur-Mer. Dans les dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, prévoit la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes. Le montant de la participation est fixé par accord entre les corps et les communes, formalisé par une convention. À défaut d'accord, il revient au préfet d'arbitrer après avis du Conseil départemental de l'éducation. Les communes de résidence sont appelées pour participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques. Les villes de Valoris-Golfe-Juan et Cagnes-sur-Mer accueillent régulièrement dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domiciliés dans ces dites communes. À ce titre, des dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la farté. Il est donc proposé qu'une convention de réciprocité soit signée entre les communes de Valoris-Golfe-Juan et Cagnes-sur-Mer pour une durée de 4 années scolaires consécutives. Coût annuel d'un élève pour l'enseignement en maternelle et ou en élémentaire arrêté pour l'année scolaire 2017-2018 à 675 euros. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ci-jointe à entretenir entre les communes de Valoris-Golfe-Juan et Cagnes-sur-Mer.
d'approuver le forfait communal relatif aux frais de bon fonctionnement des écoles publiques appliquées aux communes de Vallauris-Golfe-Juan et Cannes-sur-Mer, fixé selon les modalités de la convention, soit 675 € pour le coût annuel d'un élève pour l'enseignement en maternelle et ou en élémentaire sur la base de l'année scolaire 2017-2018. Ce coût étant relevé annuellement durant la période concernée par la convention, telle que précisée à celle-ci par référence à l'évolution de l'indice de base de rémunération des agents de la fonction publique territoriale en vigueur. Vous avez en dessous donc la formule de révision annuelle. Et donc d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention avec la dite commune. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Contre enfants jeunesse, 4e génération 2018-2019-2020 et 21. Alors, le contrat enfants jeunesse de la 4e génération, donc des années 18-19-20-21, est un contrat d'objectif et de cofinancement spécifique et complémentaire aux aides traditionnelles de la CAF qui contribue au développement de l'accueil du temps libre destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Pour la commune de Vallauris-Golfe-Juan, il s'agit de poursuivre dans un cadre contractuel les efforts engagés depuis plusieurs années par le premier contrat libre, temps libre et enfance. Je vous rappelle que le premier contrat, c'était en 2004. La politique d'action sociale et éducative de ce dispositif vise en priorité à favoriser la conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et l'épanouissement des enfants et des jeunes sur le territoire communal. Le contrat 4e génération favorise le développement de l'offre d'accueil et de loisirs en direction de tous les publics via les orientations prioritaires ci-dessous. Les structures d'accueil en direction de la petite enfance, les structures d'accueil et de loisirs en direction des enfants et adolescents, le développement des loisirs, de la prévention et de la formation en direction du public, des adolescents, la communication aux familles, la formation des agents, le pilotage du dispositif assuré par le coordinateur petite enfance et jeunesse sport, le maintien d'une politique tarifaire modulée permettant notamment l'accessibilité pour tous. Le contrat 4e génération définit en cas de modalités d'intervention et de versement des prestations de services via une convention d'objectifs et de cofinancement. À ce titre, des schémas de développement spécifiques aux différentes structures d'action éligibles fixent les aspects quantitatifs et qualitatifs et financiers, et ceci pour les 4 années de contractualisation, dont je vous ai déjà cité. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer la convention de fonctionnement, de m'autoriser à solliciter auprès du service CAFAM le versement de toutes les subventions à compte des soldes du contrat enfant-jeunesse 4e génération, et ceci au titre des années de contractualisation 2018-2019-2020-2021. Donc, vous avez tous les détails en annexe qui pourront vous expliquer effectivement le fonctionnement très intéressant et très positif de ce contrat enfant jeunesse, accompagné par la CAF. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Convention entre le département des Alpes-Maritimes et la commune de Vallauris relative au fonctionnement des relais assistants maternels, une convention entre la commune de Vallauris-Golfe-Juan et le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le fonctionnement du relais assistant maternel est renouvelée chaque année. Elle définit les missions du relais assistant maternel, les modalités pratiques, le financement, la durée et les modalités de résiliation. Ainsi, le relais doit favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, renseigner les parents dans leurs démarches administratives, informer les assistants maternels, promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, constituer des points de documentation accessibles à tous, participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. Pour la réalisation de ces missions, le conseil départemental verse une fois par an une participation équivalente à 10%
du prix plafond de la prestation de service relais assistant maternel fixé annuellement par la caisse d'allocation familiale, 5 895 €. Le conseil départemental s'engage à effectuer des visites régulières dans le relais pour en apprécier le fonctionnement. Il s'engage à mettre à disposition du relais la liste des assistants maternels de la commune. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention relative au fonctionnement du relais assistant maternel avec le conseil départemental. Des questions ? Merci. Point 7, profession d'assistant maternel, convention avec le groupement intercommunal des assistants maternels non permanents du département 06, Madame Moitou. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes organise des réunions d'information pour promouvoir la profession d'assistant maternel en collaboration avec les relais assistants maternels du département. Ces derniers, espaces sociaux reconnus, peuvent également organiser des réunions d'information sur la profession d'assistant maternel. Les relais définissent le rythme de leurs réunions en fonction de leurs possibilités. À ce titre, le conseil départemental propose aux communes organisatrices des réunions d'information une aide financière. Afin d'assurer une information la plus efficace et la plus utile possible sur cette profession, il est souhaitable d'organiser sur la commune des réunions et de faire appel à la collaboration des spécialistes de ce type de formation. Dans ce cadre, la ville a souhaité recourir au regroupement intercommunal des assistants maternels non permanents des Alpes-Maritimes, RIAMNP, association agréée par le conseil départemental, et passer une convention avec cet organisme. 3 séances de formation sont prévues pour l'année 2019, soit un coût total de 224,40 €. La convention sera conclue pour une durée de 1 an. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le regroupement intercommunal des assistants maternels non permanents des Alpes-Maritimes. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Création de l'emploi permanent de fonctionnement en application de l'article 3-3-2 de la loi numéro 84-53 du 26-01-1984. Monsieur Salmon. Il est proposé à compter du 1er mars 2019 la création d'un emploi de directeur ou directrice administratif et financier, positionné en qualité d'adjoint au directeur général des services, ayant pour grade le grade d'attaché principal territorial, relevant de la catégorie A à temps complet. Le directeur administratif et financier aura les missions à exercer qui sont listées sur la délibération. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire, toutefois en cas de recherche infructueuse. Il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3-3-2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Il sera recruté sur une durée déterminée de 3 ans, compte tenu de la nature des prestations et des fonctions très spécialisées. Cet emploi nécessite donc une compétence et une expérience spécialisée dans le domaine du principe du management opérationnel, des méthodes d'analyse et de diagnostic, du processus de décision des exécutifs locaux et de la méthodologie, des outils de management par objectif et de l'ingénierie de projet. Ce contrat sera reconductible de façon expresse ou réservée à recrutement d'un fonctionnaire n'est plus appliqué. La durée totale du contrat ne pourra exceder 6 ans. Le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée à l'issue de cette période maximale de 6 ans. Les budgets et les crédits correspondants sont inscrits au budget. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la création d'un emploi permanent catégorie A sur grade d'attaché principal au tableau des effectifs, d'autoriser l'inscription des crédits correspondants à la création de cet emploi au budget communal et d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel pour le poste de directeur ou directrice administratif et financier en cas de recherche infructueuse du candidat statutaire. Oui, question,
recherche et on est en attente de réponse officielle pour l'instant. D'accord. Et il y a eu des auditions. D'accord. Le contrat de l'agent sera renouvelé par facilité express, sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pas pu aboutir. C'est un contrat annuel. C'est un contrat de 3 ans et on renouvelle la procédure de consultation à chaque échéance de ce contrat. Il ne peut être renouvelé qu'une seule fois. C'est pas dit dans la délibération, ça. Alors je vous le dis, il est dans le rajouter. On le renouvelle la méthodologie de recrutement à chaque renouvellement de contrat. Au bout de 2 périodes, il devient durée indéterminée. Soyons clairs, sur ce poste, c'est pas pour Madame Pau. Là aujourd'hui, Madame Pau a posé sa candidature. Non, mais c'est pas dit. Si d'accord. Voilà, tant mieux, hein, si vous avez un. Non, nous avons auditionné différents candidats qui venaient d'autre but. Voilà, bon, c'est un arbitrage qui va être. Là, c'est le poste de second par rapport au DG. Hein. Oui. On nous parle. Oui, pourquoi? Non. Que ça soit clair. C'est-à-dire, un DG. C'est comme un DGA. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est marqué dans le. Oui, non, mais d'accord. Le DGA, ça. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madoura, lieu d'art, d'histoire et de création, projet exposition photographie, avenue Gervinot. Alors Madoura, lieu fortement marqué par la présence de Pablo Picasso, témoigne de la relation qu'il a entretenue avec Valérie, ses nombres de pratiques artistiques, céramiques, sculptures, photographies, etc. lors de l'événement Picasso des années Valérie en 2018. Cette exposition a été un véritable succès et a donné lieu autour de Madoura des expositions de photographies de grands photographes que Pablo Picasso a connus et avec lesquels il a beaucoup travaillé. Ce projet gratuit en espace public permet une meilleure déambulation dans la ville, une meilleure synergie entre les différents lieux d'exposition, salle Longchamp, D-Box, Madoura, crée du lien entre les habitants, public du passage, les publics de passage et Madoura, en plus des liens que cela induit avec les artistes exposés, ce qui permet aussi à la ville de Valoris de bénéficier en retour de leur réseau, donc presse, collectionneurs, etc. Donc il a été décidé de renouveler ces expositions qui plaisent à la fois aux administrés, à la population, aux riverains, et beaucoup aux collectionneurs et aux touristes. Voilà, donc pour cette exposition, nous avons l'obligation de demander leur autorisation aux propriétaires installés à Rue Gervinot afin qu'ils autorisent la pose des 10 panneaux sur leur façade. Donc je vous demande d'approuver le principe de la pérennité de ce projet, parce qu'il semble que le succès soit toujours au rendez-vous, et la mise en place d'expositions régulières de ce type, et à signer toutes les conventions d'autorisation d'accrochage qui seront établies avec les propriétaires des bâtiments riverains. Des questions? Oui, quand vous dites que le projet est gratuit, parce que les propriétaires ne sont pas rémunérés pour l'autorisation. Voilà. C'est mis à disposition parce qu'on utilise leur mur. Oui. Voilà. Et c'est gratuit. Donc voilà, il n'y a pas de. D'accord. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Festival Fantasy des Libérations Cadres, Madame Roise. Merci. La ville de Valoris-Golfe-Jean organise cette année un festival autour du thème de la fantaisie. Cette manifestation se déroule dans les locaux et aux abords de l'espace loisir pour ces sujets. Le programme comprend un ensemble d'animations. Dédicaces et conférences de l'heure, ateliers dans le milieu, jeux de rôle et de plateau, jeux d'opposition, démonstration du travail sur le cuir et sur la pierre, vente d'objets médiévaux et steampunk, concours de cosplay, atelier de confection d'objets, spectacle, exposition sur le thème du fantasy, espace de restauration. Dans le cadre de ce festival, différents documents seront édités afin de permettre son organisation globale. Des stands d'animation et d'ateliers participatifs seront proposés aux visiteurs en accès libre. Des stands de vente de produits ayant trait avec le thème proposé seront également installés et feront l'objet d'une tarification proposée à 10 € le mètre linéaire par jour. Un droit d'entrée sera de
programmation des festivals, étant précisé que la gratuité s'appliquera aux enfants jusqu'à 6 ans. Afin de faciliter la gestion de la billetterie et la tarification, il est proposé, en application de l'article L-2122.22 du Code général des collectivités territoriales, de déléguer à Madame le maire de fixer par décision municipale les tarifs d'entrée selon les manifestations prévues et organisées par le ville dans une fourchette comprise entre 4 et 6 euros, suivant le type de manifestation et leur coût. Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des prestataires qui assureront les animations seront pris en charge par la ville, par paiement direct ou sur remboursement sur présentation des billets de train et ou avion, facture d'hôtel, et selon indemnité kilométrique calculée sur barème de l'administration fiscale pour les transports en voiture. L'enveloppe budgétaire annuelle maximale allouée au Festival Fantasy au titre de cette prise en charge de frais sera d'un montant de 10 000 euros pour l'ensemble des prestataires au Festival Fantasy. Afin d'aider à la réalisation de ces projets, l'État, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'autres organismes pourront être sollicités pour des subventions ou des partenariats sous forme de mécénat. La présente délibération vise à faciliter la gestion de l'organisation de ces événements annuels et il est donc à vocation générale et cadre. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer tout document utile à l'organisation globale du festival, d'accepter la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des prestataires qui assureront les animations. Cette prise en charge sera assurée par la ville, par paiement direct ou sur remboursement sur présentation de billets de train et de avion, facture d'hôtel et selon indemnité kilométrique calculée sur barème de l'administration fiscale pour les transports en voiture et correspondra à une enveloppe budgétaire annuelle maximale d'un montant de 10 000 euros pour l'ensemble des prestataires du Festival Fantasy. La mise à disposition du domaine public dans le cadre d'un partenariat avec des engagements réciproques entre chaque association et la commune pour animer diverses activités en lien avec le thème de l'événement. De fixer un droit d'entrée compris entre 4 et 6 euros par jour pour l'accès aux animations des festivals et de préciser que la gratuité s'appliquera aux enfants jusqu'à 6 ans. Un droit d'occupation du domaine public au tarif de 10 euros le mètre linéaire et par jour, qui sera facturé au stand ayant une démarche exclusivement commerciale. La gratuité des stands tenus par des associations ou structures assurant gracieusement des animations et des activités diverses avec le thème de l'événement. Ces structures auront la possibilité de demander aux participants des ateliers une contribution financière aux consommables utiles à la réalisation de certains objets. De déléguer à Madame le maire, sur le fondement de l'article L-2122.22 du Code général des collectivités territoriales, de fixer par décision municipale les tarifs du droit d'entrée compris dans une fourchette entre 4 et 6 euros tel que précisé ci-dessus. De solliciter de l'État, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de tous organismes, des subventions et des partenariats sous forme de mécénat. Des questions ? Donc, je voulais féliciter le travail de Mme Moise et de Mme Serrito, la directrice de la culture. C'est un très, très, très beau projet. Vraiment, je pense que ça va être une manifestation splendide, je vous félicite parce que vraiment le détail est spectaculaire. Et ben voilà, donc je pense que c'est un nouveau public qui va être touché, ça n'a rien à voir avec le public des mangas, hein. On est évidemment dans le fantastique. Et c'est quelque chose, c'est une initiative brillante. Merci, Madame le maire. Merci. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
25e Biennale internationale de céramique contemporaine, modalité d'organisation. La ville de Valoris, Golfe-Juan, désireuse de faire évoluer la prochaine Biennale de céramique, constitue un groupe de réflexion composé de personnalités engagées dans la création contemporaine, le monde du design et des savoir-faire d'excellence. Alors effectivement, à l'occasion de la 25e Biennale, elle a été complètement dépoussiérée, reluquée, avec des partenaires de haute qualité, donc un comité de pilotage qui présente des qualités exceptionnelles dans tous les domaines et qui ont une expertise qui s'exerce sur le plan européen et même international. Donc, je vous rappelle quand même que la première biennale, c'était en 1968, qu'elle fut présidée quand même par le ministre de la Culture, André Malraux, par rien, et soutenue par le maître de génie, Pablo Picasso. Donc, c'est effectivement un moment magique, un moment exceptionnel. Et cette 25e édition, après avoir mené à bien Picasso les années Valoris avec les musées nationaux de Paris des Alpes-Maritimes, nous permet d'habiter une fois de plus notre musée qui a été complètement transformé par des travaux, par une sécurisation. Et à l'occasion de cette exposition Picasso les années Valoris, on s'est rendu compte que l'image de la ville avait largement progressé en notoriété et maintenant en capacité d'accueillir des collections prestigieuses et des offres culturelles dans la ville. C'est pour ça que la Biennale 2019 continue sur cette lancée et jette un pont vers l'avenir en écrivant une nouvelle page avec le design et les nouvelles technologies. Donc on va être aussi dans l'intelligence artificielle, ce qui est nouveau. On va faire des projections tout à fait intéressantes. Et donc on vous a proposé de redéfinir le concours de céramique afin de présenter des œuvres d'excellence en ouvrant sur les nouveaux savoir-faire, de relancer le design à Valoris, de communiquer largement grâce à des diffuseurs de notre image, tisser des liens pour développer une formation professionnalisante pour des jeunes céramistes valoriens en partenariat avec les écoles des Beaux-Arts et une école de design parisienne. Rassembler des professionnels de renom au sein du comité de pilotage et du jury afin de bénéficier de leur expertise et de leur réseau spécifique. Voilà, alors le budget est à hauteur de 250 000 euros, qui comprend une enveloppe budgétaire qui couvre les frais d'hébergement, transport, restauration des intervenants. Donc on développera ça un peu plus précisément sur le budget primitif. Il vous est donc demandé de confirmer la désignation de la ville de Faenza, représentant l'Italie comme pays invité, parce que nous restons sur le pays invité, et vous savez que c'est un pays frère. Et que Faenza est très 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 proche de nos céramistes valoriens, et que là véritablement on va essayer d'aller plus loin dans notre coopération. Il y aura une très très belle exposition du design de Faenza à l'EDEM, et nous aurons le privilège de créer des relations de travail avec tous les artistes de Faenza et les céramistes. Voilà. Alors, il est question de fixer le montant des prix à 20 000 euros pour le Grand Prix de la ville de Valoris et à une résidence à la Fondation Martel de Cognac pour le prix jeune créateur, moins de 35 ans, qui sera valorisé à 12 000 euros dans l'acte de la convention de valorisation et partenariat liant la ville à la Fondation Martel. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer toutes les conventions et de prendre en charge le budget communal et les dépenses nécessaires à l'organisation de la manifestation. Bien évidemment, on va solliciter de l'État, du département et de la région et de tous les organismes concernés les subventions et les partenariats sous forme de mécénat. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, continuons dans la finie. J'ai une question de M. Falcou. Puisque vous avez déclaré ne pas souhaiter organiser de réunions locales à l'occasion du grand débat national chez vous, je vous ai signifié mon intention d'en organiser une. Vous êtes politique quand on considère ces réunions politiques et vu ce qu'on vient d'entendre. Madame, c'est vous, je vous coupe, Madame Falcou. Est-ce qu'il est possible d'aller au bout de la question, s'il vous plaît, avant que vous interveniez? Je réponds au fur et à mesure, parce que c'est une question. Ainsi, nous donnerons la parole au Golfe Juanais et aux Valoriens, qui souhaitent
dans ce cadre. Je n'ai pas reçu de réponse de votre part quant à la mise à disposition d'une salle municipale. Pouvez-vous vous engager à nous mettre à disposition d'une salle municipale? Donc je ne pense pas que vous soyez le référent le mieux placé, puisque là on sent bien que c'est une réunion politique, on vient d'entendre, vous avez un groupe, puisque Bertrand va vous rejoindre dans ce groupe-là pour le prochain. Donc je pense que la stratégie du cheval de Troie, M. Falcou, est dévoilée publiquement ce soir. On parle du grand débat national, madame. Alors ensuite, j'ai été sollicitée par des Gilets jaunes, effectivement, qui n'ont pas donné suite. Donc je pense qu'il était vraiment, ce qui me concerne, et ce qui concerne tous les élus, il était vraiment judicieux de confier une salle à des personnes en souffrance. On les a entendus, je parle du Gilet jaune du mois de novembre, où on a entendu une souffrance que nous entendons tous ici, tous les jours. Voilà. Donc effectivement, si des personnes impolitiques qui ne se positionnent pas comme vous venez de faire ce soir le souhaitent, il est demandé par le préfet de soutenir cette demande en accordant une salle, effectivement, et de contacter tous les référents du département qui s'attacheront à une bonne tenue neutre du travail sur les questions. Donc effectivement, si ces gilets jaunes reviennent vers moi, ma foi, disons la salle, après, quand c'est des politiques, ça, je reste perplexe. Alors, pour vous livrer, le fruit de ma réflexion, moi, personnellement, je me sens très éloigné de la politique nationale et je pense qu'il est toujours bon, si vous voulez, qu'on écoute les habitants. Et là, comme vous le dites, il y a une souffrance réelle à Valoris Golfe-Juan comme ailleurs, et je pense qu'on a intérêt à donner la parole à ces habitants. De mon point de vue, c'est à la municipalité d'organiser ce débat. Même les municipalités autour de nous qui ne souhaitaient pas se positionner au début ont fini par organiser ces débats. Je pense notamment à Cannes, et c'est M. Lisnard qui organise la réunion. Personne lui dit « vous le faites dans un but politique ». Enfin, je veux dire, moi, je trouve très important qu'on écoute les habitants en permanence, qu'on leur donne la parole pour qu'ils puissent s'exprimer, et surtout, c'est sur ce point que je voudrais insister, que ce soit fait dans un cadre républicain et démocratique. Et le fait que la municipalité organise cette réunion garantit ce cadre républicain, démocratique. Vous avez employé le terme de « apaisé », qui me semble tout à fait adapté. C'est pour ça que, dans un premier temps, je vous ai demandé si vous souhaitez l'organiser vous-même ou la municipalité. Si ce n'était pas le cas, j'étais prêt à remplir ce rôle, toujours dans une logique détachée, républicaine, démocratique. Si ce n'est ni vous ni moi, il faudrait que ce soit quelqu'un qui remplisse ses exigences. De dire d'envoyer à la cantonade qui veut l'organise, ça non, prête... C'est la demande du préfet, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai un groupe qui me demande la salle, je dois soutenir, et ça je m'y soumets complètement, moi je n'ai pas de souci avec ça. Moi, les gens qui souffrent et qui ont des fins de mois difficiles, les 15 du mois, sans critiquer le gouvernement, je ne me permettrai pas, bien évidemment. Mais j'en vois tous les jours. On parlait des logements sociaux tout à l'heure avec Madame Boitry. On a des grandes difficultés tellement que les gens ont des revenus bas. Donc ils ne sont pas retenus par les bailleurs. Donc ça, c'est une vraie difficulté du quotidien que nous avons à gérer tous les jours. Et on bute sur une difficulté, voilà. Sauf que vous me dites, on organise. Moi, je veux bien. Je vais entendre ce que j'entends tous les jours. Je vais bien être obligée de dire, contrairement à ce que vous dites, monsieur, je vais quand même être obligée de dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement majeur, que les gens qui ont des revenus très bas aujourd'hui ne peuvent plus se loger. Voilà. Et donc quand ces gens-là viennent me voir, ils viennent nous voir pour les logements, parce qu'il faut loger, quelque part, avec des enfants, sans pension alimentaire, seul, divorcé, etc., etc. Franchement, est-ce que vous trouvez sain de faire que des gens vous posent une question et que vous n'ayez pas de réponse? Parce que je n'ai pas de réponse. Moi, je vais faire une lettre à M. Macron, je vais faire ma doléance personnelle et je vais lui dire toutes mes difficultés de tous les jours. Et ça ne tourne pas autour de l'impôt sur la fortune et ça ne tourne pas autour du réorganisation de la fonction publique. Moi-même, personnellement, je voudrais des réponses claires. Qu'on lui donne une solution pour aider ces gens. Je n'ai pas de solution. On les met avec Mme Boitry sur des appartements qui sont refusés.
on fait quoi d'aller. C'est simple, c'est basique. Vous voyez que ce débat pourrait avoir un intérêt. Vous-même, vous avez des requêtes. J'entends bien. Moi-même, j'ai des requêtes. Il faut avoir des réponses, monsieur Pfeiffer. Non, mais personnellement. C'est une imposture, ça, de ne pas avoir de réponse. Je vous dis franchement, je me pose beaucoup de questions au niveau national sur imposture, pas imposture, mais en fait, je l'ai balayé d'un revers de la main en me disant, peut-être que je sers la soupe à une personne politique, peut-être. En attendant, je préfère faire ça en écoutant les habitants et les Valoriens et en ne les reléguant pas et en ne les envoyant pas dans les mains de personnes qui n'ont pas les mêmes exigences démocratiques et républicaines que je vais vous dire vous et moi. Parce que l'organisation du débat. Vous les envoyez dans ces bras-là, avec le show que vient de faire M. Bertrand, vous les envoyez directement. Je vous le dis, j'entends tous les jours. Les gens sont dégoûtés. Ils me l'ont dit après la première séance, demain ils vont me le redire. Donc, si vous voulez, le problème est là. C'est une question de niveau de débat, de valeur et de bonne tenue et de dignité. Voilà. Écoutez, voilà. On n'est pas là pour s'invectiver, on n'est pas là pour dire c'est votre faute, c'est pas ma faute. On est là pour trouver des solutions. Aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, mais du fond du cœur, je n'ai pas de réponse. C'est grave pour moi, monsieur Falcou. J'ai été élu pour aider des gens. Je n'ai pas de réponse. C'est très très grave. On va débattre sur la réorganisation de la fonction publique. Est-ce que vous avez des idées suffisamment pertinentes et pointues pour que le gouvernement poursuive? Non, mais enfin, c'est pas le cas du débat. Le cas du débat, c'est recueillir la parole des habitants. Et pour conclure, enfin, je pense qu'on a compris nos positions. Oui, mais pouvoir d'achat. Je vous dis pour conclure, voilà, j'aurais aimé que ce soit la ville qui l'organise. Si c'était pas le cas, si c'était pas, si c'était voilà. Et je vous propose même, si vous le souhaitez, enfin, moi je vous propose même que exactement, on peut tout à fait co-organiser ce débat, mais c'est une organisation logistique. C'est pas du tout intervenir, prendre le micro pour se montrer. Une organisation logistique pour donner la parole aux habitants. Donner la parole aux habitants. Ma parole d'honneur, je la porte à chaque fois que j'ouvre ce micro ici, madame. Ok. Moi, venez des gens neutres, qu'ils soient d'aucun groupuscule, parce que je ne sais pas, vous citiez les villes, vous avez regardé ce qui s'est passé à Grasse. C'est la seule réunion. Il y a eu trois réunions, il y en a une qui a dérapé à Grasse. Dans les autres villes, ça se passe plutôt très bien. Les gens souffrent, ils ne sont pas là pour s'insulter. Franchement. On essaye, d'élever un peu le débat. Eh bien, être ensemble à ce débat, ce sera sûrement une marque d'apaisement qui permettra un dialogue serein, je l'espère. Toujours est-il que je vous le dis pour ceux qui sont intéressés, le cahier de doléances est fini, le préfet nous a demandé le cahier. Donc il va partir à Paris. Pour ceux qui n'avaient pas. Alors, ce que je vous suggère, si vous n'avez pas rempli, c'est de me faire une lettre vite fait, et on le fera partir que demain, au début d'après-midi. Et on pourra quand même ajouter vos doléances si vous avez des lettres particulières à soumettre au gouvernement. Merci. Désolée, juste une question qui n'a rien à voir. Je voulais juste savoir pourquoi je n'avais pas été conduite au repas des anciens. Bah, normalement, tous les élus sont conviés. Je suis désolée, je pense que je n'ai pas été la seule. Voilà, je voulais juste avoir une explication. Apparemment, ça n'allait pas. Merci beaucoup de votre travail. Parce que vous êtes trop jeune. Peut-être, non.